Celui-là, c'est évident, la taille, la forme et le nom, c'est ce qu'on appelle le corail tête de cerveau. Et il ressemble vraiment à une petite cervelle humaine avec toutes les circonvolutions. Je suis le docteur Dave Vaughan de la fondation Planter un million de coraux. Et ici, en plus de ça, je participe à apprendre aux jeunes et aux étudiants comment pouvoir faire une culture et comment enseigner la culture du corail. Normalement, il faut 3 ans pour qu'un corail fasse cette taille-là. Un jour, par accident, j'ai cassé un morceau de corail et je me suis aperçu au bout de quelques semaines qu'il avait poussé à une vitesse accélérée. C'est-à-dire qu'en prenant un bout et en le découpant, on peut avoir des dizaines de morceaux qui vont multiplier et développer d'autant plus vite la croissance des coraux. Et un jour, j'ai une visite des petits-enfants de Jacques-Yves Cousteau, Philippe et Alexandra. Et ils ont apprécié tout ce que je faisais de culture et d'élevage, de coquillages, de crustacés et de poissons. Mais ils m'ont demandé pourquoi je faisais pousser des coraux pour le marché des aquariums et pas pour les réimplanter dans la mer. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à changer complètement ma carrière pour faire de la culture de coraux pour la restauration des récifs. Là, on va aller voir justement, il y a 4 jeunes gens qui font partie de l'équipe et qui sont en train de nettoyer ces coraux avant d'aller les replanter dans l'océan. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se brosser leurs dents parce qu'ils ont tous des petites brosses, effectivement, là, on entend le bruit. C'est juste pour enlever l'excès d'algues qui poussent sur les petites parties. Ça ressemble à une pièce, une grosse pièce de 2 euros de céramique sur laquelle on fait pousser du corail. Et ça, c'est le résultat d'une nouvelle technique qu'on a mis au point qui s'appelle la microfragmentation. Et après, on prend 10 ou 20 petits extraits de coraux qui viennent d'un même parent et on les plante côte à côte. Et quand ils commencent à pousser sous la mer et qu'ils se touchent, ils fusionnent, ils se regroupent. Et en partant d'un corail qui fait la taille d'une balle de football, en le découpant en plein de petits morceaux qui vont après chacun grandir et faire la taille très vite d'une balle de golf, on arrive en 2 ans à accélérer la croissance des coraux qui normalement prendraient 50 à 75 ans. Et comme si ce n'était pas suffisant, en plus de ça, ils arrivent à atteindre une maturité et l'âge de reproduction à ce qui serait normalement juste la petite enfance du corail. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on peut, en quelques années, refaire pousser du corail et repeupler les récifs de coraux en utilisant cette technique. Et surtout, là, on peut remarquer qu'il y a des petites bulles qui sont en train de sortir de l'eau. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que quand on parle de production d'oxygène, il y a les forêts, mais plus de 50% de l'oxygène sur Terre vient des coraux et vient de la faune marine. Donc, si on veut continuer à respirer, il faut qu'on continue à se soucier de ces petites créatures sous-marines que sont les coraux.